Dans un monde où aujourd'hui, on a tendance à vouloir assimiler pour mieux intégrer, Jolie a voulu briller dans la différence pour mieux s'imposer. Et alors, ce soir, nous souhaitons rappeler ô combien il était un visionnaire, ô combien il a été utile, non seulement pour le football, mais surtout pour nous, immigrés, qui venons d'Afrique pour se chercher, pour avoir une vie. Nous, nous sommes aussi nés ici, à qui on rappelle que nous venons d'Afrique. Nous, pour qui on essaie d'avoir une identité, pour ne pas dire une personnalité. Et dans cette terre de France, Jolie a été un trait d'union entre deux mondes. Et tout ce qu'il a fait, il ne lui appartient plus aujourd'hui, il appartient à nous tous. Et en étant ce soir, nous avons accepté d'être les ambassadeurs de Jolie. Donc c'est pour nous un moment de joie, de grandeur, parce que ce mardi 16 novembre 2021, le hasard fait bien les choses. Il y a 60 ans, Jolie a créé avec Juste Fontaine, l'avocat Bertrand, l'Union nationale de football français, qui allait permettre au football de devenir non qu'un plaisir, mais aussi un métier et une profession. Et ce soir, dans l'espace que nous avons choisi, cet espace grand et prestigieux, nous avons voulu hisser Jolie au Panthéon. Ne parlez pas de malheur. Moi, vu le président, je pense qu'il le trouverait. Des berges du Vory, dans son Cameroun natal, un vent soufflant avait annoncé sa trajectoire de champion. Les portes de l'Occident semblaient propices pour le clan de son talent. Étudier ou jouer au foot, jouer ou étudier, s'amuser ou s'épanouir, l'esprit d'un pionnier a une vision globale et a soif d'épanouissement. Un champion,
pionnier créant son sillon. Il brille et pétille de mille feux. L'art de jouer, associé à l'efficacité prolifique, en a fait un artiste à part. Les foules en délire s'extasient devant le spectacle offert par le virtuose Ujolea. Avec la Saint-Étienne, au-delà des buts marqués, durant 5 saisons, il a écrit. Il écrivit une belle page du club en 1975, en étant champion de France. Avec ses compagnons Rachid Ekloufi, Ken Ridges et Jena fait l'histoire. Avec l'Olympique Lyonnais, encore la même soif et rage de champion. Et avec le Racing Club de Paris, toujours la même détermination d'être champion. Avec des dribbles et des touchés de balles dignes d'une samba brésilienne. Le jeune Julia. L'apparent champion du grand écart était un trait d'union, précurseur d'une vie de champion couronné, associé à un citoyen épanoui. Épris de justice, il est aussi le chantre de la victoire à venir d'une Afrique nouvelle. L'étoile Joléa. Cyrus, cette étoile ne s'éteint jamais. Il ne prend point de poussière au fil du temps. Fond, hein. L'étoile champion Joléa scintille et guide les autres champions qui suivront et qui sont là aujourd'hui. L'étoile champion Eugène éclaire le champion. Le champion de demain. Merci beaucoup. C'était un mot introductif en texte et en chant. Merci Salomon pour nous installer à écouter un certain nombre de personnes qui vont venir ici parler de jeunes Julia. Je passerai la parole à Abdelaziz Moudé, président de la Maison des Camerounais de France, Centre culturel franco-camerounais. Ensuite, à M. Lafont pour la première partie. Aziz, à toi. Julia, l'homme. Au milieu des idées, l'homme est un salon de feu. Merci à toi. Merci. Merci et bonsoir à tous ceux qui ont accepté notre invitation et qui sont venus à notre rencontre ce soir. Bonsoir à la famille de Jeune Joléa, parce que c'était très important qu'elle soit là ce soir. J'ai eu avec beaucoup de plaisir pendant ces quelques mois à découvrir quelqu'un qui est devenu un frère, Désiré, parce que quand avec Désiré, les anecdotes et surtout les métaphores meubles, le propos vient tourner complètement comme ça, inspiré. Il y a une, dans la préparation et le travail que nous avons engagé, un certain nombre d'initiatives prises. Monsieur Lafont l'a rencontré en juin et je l'en remercie ce soir. Il a ouvert ses portes à l'UNFP, il nous a consacré sa matinée pour qu'on puisse voir ensemble, explorer ensemble d'abord le personnage Joléa du point de vue de l'UNFP à l'intérieur et puis aussi ce que nous apportions. Et dans les discussions et les échanges avec Désiré, cela a pu être complété avec les footballeurs, avec les médias. Olivier Dupreux était là tout à l'heure, Olivier Dupreux du Monde qui a signé ce magnifique texte qui reprenait une étude de la revue 2021, une revue d'histoire du sport, parce que oui, la sociologie, l'histoire, la géopolitique du sport, ça existe. Le sport et le football, et très souvent on a considéré les footballeurs comme des personnes qui n'avaient que des jambes, et avec une belle émission en France, de Pierre Bellemare qui était la tête et les jambes. Eh bien, ce soir, c'est cette articulation entre la tête et les jambes qu'on célèbre. Un footballeur qui est tacticien et pas simplement comme Bernard Tutan l'a fait dans une rencontre entre le Cameroun et l'Angola où tout le public réclamait des buts. Il est entré, eh bien, c'était pas simplement un virtuose du ballon. C'était aussi quelqu'un qui réfléchissait.
Jolia l'a prouvé. Jolia l'a démontré avec exaltation. Quand nous avons fait ce travail, il y avait, oui, c'est vrai, les imperfections du monde. Il y a très longtemps, dans l'Afrique ancienne, quelqu'un qui s'appelait Tao Teth qui disait que ne sois pas vaniteux à cause de ce que tu sais, de prendre conseil auprès du sage comme de l'ignorant. Eh bien, quand on est dans des imperfections, vous allez lire ici que Njolea est né à Batushi, c'est une imperfection. Batouri. À Batouri, parce que je disais que, effectivement, c'est Batouri. Oui, c'est Batouri. Et nous avons avec l'imprimeur fait quelque chose de simple, puisque cette toile avait déjà été imprimée. Et j'avais dit notamment à Désiré Jolea, qui avait attiré mon attention dessus, puisqu'on lui avait envoyé effectivement le texte complet de l'exposition, qui avait attiré mon attention dessus. Et puis après, la discussion avec Alexandra aussi, qui a fait quelques observations à ce sujet. La Maison des Camerounais de France, donc, qui est heureuse. Tout à l'heure, en première partie, j'ai évoqué le sillon que nous avons tracé depuis 2010. Et je salue la mémoire de Manu Dibango qui nous avait dit au Forum des images, c'était le 12 juillet 2010, que cette œuvre qu'on commençait, aujourd'hui ça fait 11 ans je crois, si je ne m'abuse, cette œuvre qu'on commençait à l'être ponctuée, jonchée de, oui, d'obstacles, de 1000 obstacles même, mais il fallait avoir l'ardeur d'un étalon pour pouvoir les traverser. Eh bien, on a traversé quelques obstacles et quand la Maison des Camerounais de France a été fondée, cette année, donc au courant de l'année 2021, avec l'arrière-plan justement de ce travail d'hommage, eh bien, on a pensé que la première personne qui méritait